Salut à tous et à tous, c'est Rossa Digi. On se retrouve pour l'épisode 20 de Kingdom Hearts 1, donc l'épisode final. C'est mon île. Du coup, je l'ai déjà. Ma version Famix, ben, j'ai fini. Du coup, ça faisait genre un petit entraînement. Mais voilà, ça fait un petit moment, mais je peux aussi galérer contre Enseigne. Donc la dernière forme où il est avec son vaisseau et tout ça. Ce monde a été connecté. Relié aux ténèbres, il sera détruit. Qu'est-ce qui se passe? Relié aux ténèbres, il sera bientôt anéanti. Je sais pas pourquoi il s'est mis à redire la phrase qu'il est au début du jeu. Tellement avant. Et toi, tu ne comprends rien. En même temps, si tu dis rien, comment sauras-tu? Un effort inutile. Comment sauras-tu qu'il comprenne quelque chose? Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre. Celui-là qui ne comprend rien, celui-là qui est destiné à battre Xehanort. Bah oui, parce que Sora, qu'on a appris dans 0.2 de Borbosky, quelles que soient les difficultés qu'il a subi vivre, et ben, c'est lui qui est destiné à vaincre Xehanort. Enfin, le tuer en gros, c'est préféré. Donc aussi, une autre précision, ben, hier en prenant mon tranquillement sur YouTube, ben, je suis tombé sur une vidéo de la musique du générique de Kingdom Hearts. Mais en français, alors je vous la passerai. Si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue. Observe cet endroit minuscule. Pour le cœur avide de liberté, cette île est une prison au milieu de nulle part. Alors un garçon a voulu échapper à cette vie étouffante. Il a cherché comment accéder aux autres mondes. Et il a ouvert son cœur aux ténèbres. Il parle de, je pense, de Xehanort, là. Rico! Tu perds ton temps. Ta voix ne peut pas l'atteindre là où il se trouve. Son cœur appartient déjà aux ténèbres. Tous les mondes naissent dans les ténèbres. Et c'est aussi là qu'il meurt. Le cœur n'est pas différent. Les ténèbres naissent en lui, grandissent et le consument. Telle est sa nature. En fin de compte, les cœurs retournent toujours aux ténèbres là où ils sont nés. Tu vois, les ténèbres sont l'essence même du cœur. Ce n'est pas vrai! Le cœur peut être faible. Parfois même, il peut se soumettre. Mais j'ai appris qu'au fond de lui, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Tu as fait tout ce chemin, mais tu refuses toujours d'affronter la réalité. Toutes les lumières meurent, tous les cœurs retournent aux ténèbres. Vous n'êtes pas que Sora et Blacky Blade qui est capable de baser un or. Allez, on va essayer
un combat trop long. Là, il défend beaucoup trop. Espèce de fourmi. Et viens là ma fourmi. Le pesticide sera va s'occuper de toi. Allez. Pas question de nous soumettre. Pas de soumettre. Hop, ça recommence. Limite sur la version PS2, faudrait en fait le faire au niveau 99 en fait. En tout cas, pas négligé, c'est surtout. Et alors, on va remettre des poussins de Nelango. Le masque est pas un petit point de sauvegarde ici, juste après ce combat là. Voilà. Ah, franchement. Je dois en acheter assez. J'ai pas l'impression. On se voit. Il en utilisait pas. En fait, le plus dépensé, c'est Dingo, en fait. Alors, c'est l'inverse, parce que dans le 2, ils sont pas dépensiers. Enfin, ils ont bien réglé ce machin-là. Mais surtout, c'est au niveau des dégâts. Contre le nouveau boss caché, Dana, lui, il est toujours le premier à mourir, quasiment. En un coup, ça dépend. Je crois que c'est le nouveau mode critique, en un coup, il va mourir. Toujours en mode distance de coups. 3 coups en mode, peut-être 3 coups en mode fast, en mode normal. Oh, mais c'est pas le plus compliqué. Merde, il me prend les dégâts. Là encore ça va, c'est pas chaud, mais il rajoute des patterns, enfin des techniques qui sont
qu'on a exactement la même vie. Et tu me barres en moins, en fait. Ah non, évidemment. Mais lâche-moi, connard. Il est pas très protégé son gardien. Mais évidemment. Le plus compliqué c'est la forme qui va arriver. Après je sais pas si ça marche, le 20 points il marche exactement pareil dans l'air sans faillite. Que là si vous le crevez, bah, on recommence après au vaisseau là où vous allez arriver. Après je sais pas si on l'inverse sur les deux, je me rappelle jamais. Franchement, je demande bien quelle est votre version préférée, la version faillite ou la version PS2. Je préfère même la version faillite. Ouais. Je trouve qu'ils l'ont simplifié. Tout au fond se trouve le cœur de tous les mondes. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts! Regarde bien autour de toi. Tu ne trouveras pas la moindre lueur en ces lieux. J'aime bien. C'est dans on va voir quoi ça ressemble vraiment Kingdom Hearts. Tous les cœurs, y compris le tien. Et là pour ça qu'on joue à Borbassi, ils ont fondé. Ils savent qu'il y a Aqua qui est derrière la porte avec Mickey. Ils essaient de sauver Riku, mais au final ils vont complètement se planter. Vraiment, à ce moment-là, je vais galérer. Parce que des fois, il envoie des rayons. Je pense que ces rayons, ils sont inesquivables. Soit vous allez vous les prendre et vous allez avoir du mal à vous échapper. Allons, ça va. Je te croyais plus fort que ça.
rejoins les ténèbres. Bouclier. Moi. Ça va? Pas d'autre monde qui soit néanti. La putain, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai réussi. Enfin, il s'est pas encore fini, hein. Vous les passerez quoi. Truc que je vous mettrais juste les doubles français, enfin le générique en français quoi. Vous devez essayer de l'avoir. Vous allez le trouver sur YouTube. Pardon, pas trop longtemps. Ah. Vous remettrez juste la scène juste après. Dans son manoir, chercher le roi Mickey. Fait plaisir. Après, il va falloir faire quoi? Après, j'espère pas perdre ce dernier coup. Il faudra le raffronter. Et là, ça va être un peu chiant. Bon, là, on est obligé de se brouiller comme un grand. Non, c'est même, tu sais, c'est un gamin de 15 ans, il a pas peur de toi. Toi. Ah, la caméra, la caméra. Ah. Aïe. Je voudrais bien. Putain, mais je
t'ai rien demandé, toi. Mais, doucement. Ça fait ingérable le vol planer quasiment. Vite Sora, putain, je suis rentré, je t'attends jusqu'à temps. J'ai encore du jeu avec les Lucky Blade. Tiens, vous deux. Allez. Ah bah non, ça va être la tête. Après, on récupérera Donald. Il ne restera plus qu'à attraper le but. Il reste plus beaucoup de trucs à l'affaiblir. Donc la cinématique aussi, oulala. C'est une différence que dans la version FMX, ils ont rajouté une scène de souvenir. Abattre la tête. Non, un petit peu parce qu'il envoie pas mal de trucs quand même. Alors on va le faire vomir. Il y a des trucs qui sont pas nécessaires sinon on va perdre trop de temps. Pas au bout d'un certain temps, si on faisait game over ou s'il nous recrachait, il fallait refaire tout. Faut m'éviter parce que je pense que comment c'est massif mal foutu, le peu de poissons qu'on a. Allez, vomi. Allez, détruit. Moi, ça revient un petit peu dans Street Fighter 2. La fin, il hein, faut battre le là. C'est pas exactement pareil, mais. Vous voyez, il y a le même principe, il faut détruire des générateurs de Slay 2 pour lui faire baisser son. La rendre plus faible, si vous préférez. Ah
ce truc. Faut qu'il se mette dans un estomac. Allez, fais l'ange. Fais l'ange, la Sora. Il est libre. Je vous laisserai un petit peu le crédit pour que ça soit une coupure, quoi. Allez. Oula, là on dirait qu'il a eu un trop bu, il est même un coup de cuite. T'as dit que tu ne peux rien changer. Il y a plus de plaintes pour venir qu'on est barré. Dans Kino 5, ils sont vraiment cons à tout. Ils tapent le boss alors qu'on l'a vaincu. Ils dépensent vraiment leur potion quand il faut pas. Alors, genre, ils vont perdre juste un petit MP, ils vont soigner tout de suite. N'importe quoi. Ça me fait voir, je croyais qu'il avait bugué le jeu. Ceci est inutile. La Keyblade seule ne peut sceller la porte des ténèbres. Kingdom Hearts. Donne-moi le pouvoir des ténèbres. Tu as tort. Le monde de Kingdom Hearts est fait de lumière. Allez. Je peux pas mettre la vidéo parce que ça fera trop long et puis je pourrais pas la régler en bonne qualité. Je ferai une petite vidéo comme ça de Kingdom Hearts 2, 1 et puis je la mettrai. On peut y arriver. D'accord. Ah, c'est quand même costaud une grande porte comme ça. Bon, qui a eu l'idée de fabriquer une grande porte comme ça? Ils sont peut-être pas dit, oh les Keyblade ou les porteurs Keyblade, qui seront assez forts pour la pousser. Ah non. En
pas les couilles, Bud, ça. La porte soit trop grande ou trop petite. À taille moyenne, ça aurait été bien quand même. Ah, le roi Mickey. Ça marche ici, il faut se mettre tout loin derrière sa boule, très loin d'enseigne, il se prend des dégâts. C'est un truc que j'ai pas trop compris ça. On va être fixé, est-ce qu'on va avoir le flashback? Non. Ah, la berceuse de bébé. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Kairis se pointe à ce moment-là? J'ai jamais compris. Je pense que personne n'a compris quasiment, à part les développeurs. Attends. Elle était où? Elle était censée être dans la ville de Traverse. Puis là, on la retrouve ici. Un long épisode. Avec toi, j'en viendrai. Je te le promets. Je t'attendrai. Bon, moi je vais faire une coupure. Je vous reprends juste devant la scène de Sage Memories. Et après, on verra. Enfin, ça sera là, évidemment. Donc, sur ce, à plus. Bon timing. Donc après cette scène, on s'arrêtera là. Donc merci quand même à vous d'avoir regardé, d'avoir pas mis de j'aime, d'avoir avoir plus d'abonnés. C'est pas grave. On va peut-être plus d'abonnés dans Kingdom Hearts 3 ou dans le jeu qui sont continués. Nous devons trouver Riku et le roi Mickey. Mais où est-ce qu'on va la trouver, cette fameuse porte de la lumière? Tiens, Pluto, où t'étais passé? Est-ce que c'est vrai, Pluto, ou est-ce que c'est un Pluto créé par l'Organisation 13 pour les piéger? S'il a la même intelligence, qui a la même intelligence que le vrai Pluto, bah franchement c'est son pion. Ça n'est jamais confirmé, mais c'est une petite théorie qui l'invente quoi. On le voit pas on le voit quasiment pas après du jeu, puis il se pointe à la fin du jeu avec la lettre du roi. Vous les emmenez où? Bah, pour qu'ils se retrouvent au manoir Oblivion, à cet endroit de merde où le jeu il se passe que où tu te bats avec des cartes, le jeu affreux quoi. Donc, du coup, ça me laisse le temps. Moi, j'aurai plus de temps pour me concentrer sur la suite de Kingdom Hearts Union Cross à faire. Et puis voilà. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si c'est pas défait. Sur ce, à plus. Depuis peu, je fais des rêves étranges.
voix s'envole vers toi. Je t'en prie, ne m'oublie pas. Le ciel se pare. Je serai toujours avec toi. Je reviendrai. Je te le promets. Je t'attendrai. L'écho de notre histoire résonne. Le désespoir est...